Deux dans chaque, j'ai dit moi. Et un petit bisou. Oui. Mon entreprise. Waouh. Wouhou. C'est vrai que ça sent bon. Super bon. Salut tout le monde, c'est Marius. Et je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Alexandre, le bon vieux copain. Salut. Et Thomas. Et voilà. Et ben on va pêcher. Qu'est-ce qu'on va pêcher, les gars, aujourd'hui? Bah les anguilles. Hein. On va pêcher les anguilles. C'est la saison. Et on va pêcher ça comment? Avec une petite nasse. Le but c'est qu'on va mettre, c'est un piège en fait, ni plus ni moins. On va mettre ça dans l'eau. Et on va laisser ça une journée, deux journées. Et comme ça, les anguilles, quand elles se baladent dans l'eau, elles vont se prendre dans les nasses. Et puis après nous on va aller les manger parce que c'est super bon les anguilles, on va se bien griller comme ça va être top. Ah donc ouais, il y a une première passe, en fait elles rentrent là-dedans, après elles sont bloquées là, puis après elles sont obligées d'aller là-dedans, et puis au bout là on peut récupérer. Parfait, allez. C'est ingénieux. Bon allez, maintenant Alex, c'est toi qui vas à l'eau. C'est ça. C'est toi qui as les waders. Posé à plat sur la vase. Ouais. On va l'enfoncer un petit peu. Bon, voilà, on va... Ouais. Et puis on va relever ça dans 2 jours. Dans 2 jours, ouais. L'eau, tu la mets côte à côte? Ouais. Impeccable. Donc là, je les mets côte à côte pour qu'il y ait une pêche plus large. Ouais. Plus large. Mais oui. Ouais, côte à côte, comme ça, ça prend plus large et du coup, l'empêche est plus grande. C'est ça, ouais. Du coup, bah, toutes les anguilles qui passent, on a plus de chances de les attraper, quoi. Elles vont pas contourner la nasse, quoi. Voilà. Ah, c'est bon. Bon. Et puis on va leur mettre une troisième aussi à un autre endroit. Celle-ci elle est différente, c'est la troisième celle-ci. Et elle a deux entrées, une entrée là et une entrée qui est ici. Alors bien sûr c'est que des trucs qui ont été faits à la main, on peut facilement les fabriquer. Donc là bien sûr ça rentre, c'est le même principe hein. Un petit entonnoir, les anguilles elles arrivent comme ça. Et pouf, elles sont prises au piège et après elles n'arrivent pas à sortir. Hop, allez c'est parti. On va la mettre. Je l'attache au poteau pour... On peut la perdre. Plus facilement. Bah oui. Impeccable. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre 2 jours. Maintenant, rendez-vous dans 48 à 72 heures pour aller relever les 3 nasses qu'on vient de poser. Et on va croiser les doigts pour qu'il y ait quelques anguilles. Puis après, on ira se les manger. S'il y en a quelques-unes, j'espère. Un peu d'ail, un peu de persil. C'est ça. On va les manger à la charentaise. Ça va être bon. Bon, allez. À tout de suite pour vous. Bah, 2-3 jours pour nous tous. Bon, on se retrouve 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Moment de vérité, on va lever les nasses. On va prier pour qu'il y ait quelques anguilles, pour aller se régaler après. On va lever les deux premières qu'on a mis côte à côte tout de suite. Vous pariez sur combien, les gars? Deux dans chaque. Deux dans chaque? Ah oui. Allez. Je dis 4 dans chaque. 4 dans... Oh. Ouais, et si on en a une dans chaque, ce serait bien déjà. Mais bon, on verra bien. Croisons les doigts. Zou. Bon, on va se mettre à l'eau? Oui, on va essayer de les retrouver. Bah, oui, il faut les retrouver. Normalement, on verra. Vas-y. Oh, culé. Y'a quoi? C'est une carpe. C'est une carpe. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a deux. 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 Deux dans chaque, j'ai dit moi. C'est vrai. Y'a quoi? C'est quoi comme poisson ça? C'est une carpe, c'est quoi? Une brème. Une brème peut-être, ouais. Ah. Bon, on va la relâcher, hein. À moins que t'as vraiment... Fais-lui un bisou, Alex. Allez, un petit bisou. Oui. Un carassin, ouais. Ouais. Carassin. On va voir. Bien joué. Hein. Bon, nous, on va la relâcher. C'est mieux que la pêche d'hier. Allez. Allez. Va, mon petit. Ouais. Du coup, deux anguilles. Alors. Non. Thomas avait raison. Deux anguilles. Pour le moment. C'est ça. Et c'est des belles anguilles. Hein. C'est vraiment des jolies anguilles. Bon, bah déjà, on va pas mourir de faim. Bah, c'est sûr. Bon, alors, après, l'autre, que t'es côte à côte. L'autre, elle doit être à côté. Et oui, l'autre elle doit être par là, alors vu qu'on l'avait mis à côté. Elle est là. Alors qu'est-ce qu'on avait pris dedans? Alors ce moment de surprise. Waouh! Oh, il y en a une énorme! 1, 2. Oh là là! Il y en a 5 ou 6. Oh là là! Ah mais c'est ouf! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et il y en a une grosse. 7, 7, 7. Il y en a une grosse, hein! Dis donc! Ah bah c'est bien ça! 1, 2, check ça! 3, 4. Check! Nickel, trop content. On va pouvoir se manger ça. Ah ouais. Ah oui, quand même. En friture. Ça, c'est beau. C'est beau, hein. Trop belle, hein. Impeccable. Belles anguilles. Ah ouais, super. Bon. Il y en a des plus petites, là. Ouais, il y a toutes tailles, des grosses, des moins grosses. À griller, c'est bon. Ah ouais.
carrément. Ah bah c'est sympa. Vous le voyez, c'est pas très sorcier hein, comme pêche. Faut juste bien placer les nasses et attendre le bon moment. Il y a quand même des conditions météo des fois qui sont meilleures que d'autres, enfin, pour penser à la pêche. Mais c'est quand même super sympa quoi. Alors bien sûr il y a une réglementation particulière, hein. Faut bien sûr la carte de pêche, faut tenir un carnet d'anguilles, faut faire une déclaration, donc bon c'est des petites bricoles administratives, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon il nous reste encore une autre à lever, on verra bien. Ça dans le seau pour les transporter. Ouais. Hop alors. Donc là. On ouvre par la trappe. Trappe ouais. Zou. Va pas tout faire tomber. Ah bah non. Là. Là. Hop. Il y en a quelques unes petites. Bon, tout est dedans. C'est bon. Ben ouais. Hein. Combien il y en a? Six. Ils sont grosses, hein. Regardez. Celles-ci, elles sont vraiment grosses. Hein. Voilà, dis donc. C'est. Hop, même opération. Peut-être. Ça glisse. Ah oui. Là. Hop. Là. À table. Ça va être bon. Il en reste une à relever. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour l'instant, c'est le truc à bon. Bon, maintenant, troisième nas. Moment de vérité. Va-t-on en avoir un peu plus? On verra bien. Allez, on va attraper. Ramène le butin. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y en a? Il y en a deux. Il y en a deux? Des grosses? Non. Ah, il y en a des belles, hein? Deux ou trois. Deux ou trois? Une. Ah, il y en a une belle, hein? Il y en a deux. Une petite et une plus grosse. Une belle. Ah, oui, les anguilles, elles sont là, hein? Allez fille, ça va ou quoi? Je pense pas, non. Elles sont belles. Elle est grosse, celle-là aussi. Hein. C'est des belles anguilles. Hein. Léon, hein. Avec le reste. Une. Grosse. Allez, tombe. Tombe, madame. Allez, voilà. Deux. Il y en a deux. Deux. Gros deux. Bah, c'est une belle pêche, hein, franchement. Des belles anguilles. Hein. Maintenant, en plein milieu. Ben ouais. Il n'y a plus qu'à cuisiner, un peu d'ail, un peu de persil. Un petit peu de cognac pour faire flamber. Et c'est parti. Ça. Et c'est parti. Un peu de pain. Et c'est réglé. Bon appétit. Bon maintenant les anguilles sont dans le seau. Direction la cuisine. On va aller les préparer. Vous allez voir. On sait d'avance que ça va être bon. Si vous avez déjà mangé des anguilles, vous le savez. Mais c'est vraiment très très bon. Bon, allez, on se retrouve dans la cuisine pour préparer ces belles anguilles. On se retrouve pour préparer les anguilles. Thomas, il nous a partagé une petite technique sympa. D'abord, on a tué l'anguille, puis après, on les a trempées dans du vinaigre, c'est ça? C'est ça, vinaigre blanc. Et en fait, le truc, c'est que ça va permettre de pouvoir enlever tout le mucus d'un seul coup. Parce que là, on va garder la peau, on va enlever les nageoires, on va garder la peau pour ensuite après les manger. Et donc, ça va permettre d'enlever le mucus pour que ce soit moins visqueux, évidemment. Et donc, voilà, regardez ce que ça donne. Là, l'anguille, elle est toute blanche. Et avec ça, avec un seul coup de couteau, t'arrives à tout enlever. Voilà, et là, ça, c'est super c'est pratique. Prêt, là, c'est prêt à manger. Voilà. D'accord. Donc ensuite, on coupe les nageoires. Tu la vides là? Ouais. Enlever les intestins, tout ce qu'il y a dedans. Ça se vide facilement, ça. Ouais. Regarde, tu as juste à passer le couteau derrière. C'est fait. Il n'y a plus qu'à la nettoyer à l'eau propre et la couper en petits morceaux. Et bah parfait. A chaque fois que je cuisine des anguilles, je fais une dédicace à Maïté. Si vous connaissez pas cette fameuse vidéo avec les anguilles comme ça, je vous recommande. La reine des anguilles. Bon, là ça c'est la plus grosse, elle est énorme celle-là. Vraiment gigantesque. Hein. Dure la taille de l'anguille. 25, 50, 75. Allez. 75 cm. Ah ouais. Bon, c'est pas forcément les meilleures, les plus grosses. Hein. Souvent, c'est ce qu'on dit. Les plus petites sont plus fines, c'est, ouais. C'est meilleur en bouche. Parce que je le rappelle, les anguilles, ça a pas d'écailles. Ça a simplement du mucus comme ça. Donc contrairement de tous les poissons qui ont des écailles. Donc on est obligé d'enlever ce mucus là. Après une autre solution, c'est d'enlever la peau. Moi j'ai toujours eu l'habitude d'enlever la peau. Mais là comme ça, c'est une autre technique qui permet de garder la peau. Et la peau ensuite est grise et puis on peut la manger. Ce qui est vraiment gênant, c'est vraiment souvent le mucus qui donne un aspect visqueux quoi. Et un goût qui est quand même pas exceptionnel. Donc comme ça, on enlève le mucus. C'est quand même plus facile quand c'est plus petit. Et tout s'enlève.
n'y a plus qu'à sécher tout ça avec du sopalin. À table, ça y est, elles sont coupées. Maintenant, on coupe le persil. L'ail. Et c'est parti, on cuisson. C'est parti. Donc là, en fait, on va cuire les anguilles avec le persil et l'ail mélangé, c'est ça? C'est ça. Ok. À la poêle, on fait ça à la poêle. Frire dans l'huile un peu. Ouais. Et puis à la poêle. Okay. Tout simplement. Master chef. À feu doux. Et c'est parti. Donc là maintenant on va les fariner pour que ça fasse un peu plus de croustillant. Ouais. Un peu de farine sur chaque face. Et ensuite dans la poêle. Donc là tu mets l'ail et le persil une fois que les anguilles sont bien cuites, bien grillées. Ouais. C'est vrai qu'à travers la vidéo, vous avez un truc qui vous manque, c'est l'odeur. Et c'est vrai que ça sent bon. Super bon. Et pire encore, vous n'aurez même pas le goût. Nous on va l'avoir. Ah ouais, alors. Ouais. T'as vu l'odeur là qui monte dans les narines là. Ah, c'est parfait, c'est grillé, c'est pas cramé, c'est juste grillé. C'est parfait. T'es prêt là? À table. C'est parti. À table. Bien grillé là. Ah oui, c'est pas une petite assiette en plus là. Ah bah, un gars qui travaille, il faut qu'il mange. Bah, bon appétit les gars. Merci, bon appétit. À table. À table. C'est parti. Ça devrait pas être mauvais. Très bon. Bien croustillant. Ouais. À toi de goûter. Bah oui, à moi. Bon alors, vous avez vu ça, c'est bien grillé là, tout est bien. Franchement, c'est appétissant. Alors, t'en penses quoi? Bah, des anguilles, j'en ai déjà mangé, mais pas comme ça. Avec du persil et de l'ail. Mais c'est bon. Ah ouais, bon. C'est parce que c'est des anguilles de Charente-Maritime. Mais voilà, c'est des anguilles de Charente-Maritime. C'est pour ça qu'elles sont bonnes. Elles ont un goût particulier. Ah ouais. Vachement bon. Avec la peau alors, ça change Bah écoute, au début j'étais un peu dubitatif de manger avec la peau avec. Finalement, bien grillé comme ça, on la sent pas. Ouais, parce que ça croustille, tu la sens pas. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est bon. Pêché ce matin, manger à midi. Ah, mieux. Parfait. C'est quand même extra. On les a pêchés il y a quoi, quelques heures, et puis là, on les mange, juste grillés comme ça. Franchement, c'est le top. Voilà ce qui reste. Il reste plus que ça. L'arête centrale, parce que bien sûr, il n'y a pas d'arête, il y a juste une grande arête centrale. D'accord. Et puis voilà. Bon, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné faim. En tout cas, nous, ça nous a donné faim, du moins, et on s'en régale. Voilà, bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Tchuss tout le monde. Bisous. Salut. Tchuss. Bisous. À table.